Yo les GOATS, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la méta longue distance. Oui, c'est l'attaque Evolver. On a fait une vidéo dessus sur le fait qu'elle est complètement broken contact. Elle marche également de loin. En fait, comme vous avez peut-être vu sur ma précédente vidéo, la version contact, tu dois jouer les balles 5-5-6. Donc c'est cela. Ça transforme l'arme en une arme très mobile, haute cadence, tout ça. Mais de loin, c'est un peu plus dur. Si tu laisses de base, l'arme est en 7-6-2 et les balles font mal et il n'y a pas de recul. C'est surtout ça le fait. Le recul est très faible et cette classe-là est magnifique. Justement pour ça, alors je vous explique tout. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé une classe où les balles vont super vite. Genre c'est un laser. Donc on commence avec grain élevé pour améliorer la vitesse des balles et la portée. Donc on perd un peu en effet de recul et machin, mais c'est pas grave. Le silencieux, il va littéralement rattraper presque tout et rajouter de vitesse des balles et de la portée. Ensuite, le canon, c'est pareil. Du coup, on rajoute 20% portée, vitesse des balles et de l'aide au recul. Et attention, le petit truc, hein, vitesse de marche au visant et l'oscillation, la stat cachée. En parlant de stat cachée, c'est surtout cette crosse qui fait pour moi une diff incroyable de loin. C'est pas un truc que tout le monde va mettre contrôle de recul, machin. Non, c'est ça. Oscillation avec 3 flèches, vous voyez ici, et 2 flèches sur stabilité de visée en tirant. On a parlé de la stabilité, c'est du RNG. Donc ça, c'est hyper important. L'arme est très constante. Elle est très, très cool à jouer. Franchement, je m'éclate avec de loin. Et finalement, pour aider un peu à la vitesse de visée, j'ai essayé d'un Atlas et vous allez voir que franchement, ça claque. Je suis assez surpris. Tous les viseurs intégrés, machin, j'ai eu un petit peu de mal. Soit ça visait pas assez loin, soit j'aimais pas le réticule. Mais celui-là, l'Atlas, vous allez voir dans les parties, franchement, il claque. Essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous allez vraiment, vraiment kiffer cette classe. Alors, il y a peut-être un nerf qui va arriver bientôt sur la Evolver. Mais s'il y a un nerf, à mon avis, ça va être la version contact que vous avez vue. Là où ça explose des SMG, c'est pas normal. Mais celle-là, franchement, je pense que vu la cadence est faible, ça va pas être nerf trop vite. J'espère en tout cas, parce que j'ai pas envie de faire une 7e vidéo sur l'attaque Evolver. Hein, ok? Normalement, c'est la dernière, les gars. Normalement, c'est la dernière. Donc, je vous partage juste vite fait la SMG. Je vous l'ai montré 15 milliards de fois, mais c'est toujours la même. La HMR 9. Voilà. Les GOATS. J'ai fait des parties en solo duo pour vous montrer la puissance de l'arme. J'ai pas mal de commentaires dernièrement sur VPN, triche, machin. Les gars, oubliez pas que sur YouTube, vous voyez les meilleures parties. Après genre 8 heures de Warzone par jour, je vous montre une ou deux parties. Si vous voulez voir ce que c'est de se faire quand je me fais exploser ou quand je fais une bêtise et que je meurs bêtement, venez sur Twitch le matin et vous allez voir, je suis humain. Juste, je joue beaucoup au jeu, d'accord? Donc sur YouTube, c'est juste les meilleures parties, les meilleurs lobbies où il n'y a pas trop de bons joueurs. C'est normal. Bon visionnage des GOATS, on se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao. You're cool.
Voilà. Ennemi déployé dans la zone. Surveillez. Ah. J'ai entendu. You guys are disgusting, bro. Mais c'est dégueulasse, frère. C'est même pas eux qui m'ont tué, c'est eux. Je sprint par un au pire moment, gros. Attends.
à déployer une station de ravitaillement. Tu veux quelque chose, les gars ? Le gaz se rapproche, il y a... J'y vais. Okay, je crois que les deux derniers sont en bas, les gars. Ils peuvent monter la merde. Attends. Enfin, je trouve. Let's go, baby! Let's go. Petit 32 kills, 14 000 dégâts quand même. Ok. Solo duo. Ok. Ok, non, mais c'est bon. C'est bon.